Nous sommes ici le long des côtes entre Matsushima et Izushima, qui sont des côtes qui ont connu un tsunami avec une vague de la hauteur d'entre 8 et 10 mètres. Nous avons eu pour la France une réaction fondée sur un sentiment de proximité et de solidarité extrêmement fort. Il s'est agi d'abord d'une réaction humanitaire et de protection civile, avec l'envoi d'un détachement de 116 personnes et puis l'envoi de dizaines et de dizaines de tonnes de matériel, d'équipement et de nourriture. Donc mission, reco de ce maison, d'accord. Je vous rappelle, vous faites des appels, c'est IMAS, car la priorité c'est d'abord les habitations, d'accord. Parce que sous le décombre des habitations, potentiellement, on peut avoir du monde. Mille minutes. Il y a en réalité deux composantes. Il y a une composante d'aide humanitaire qui est bien justifiée quand on voit ce qui s'est passé dans la région de Sendai et autour des centrales. Puis il y a un tiers qui, correspond davantage à une aide technique en matière nucléaire. Il s'agit de 11 000 combinaisons, de 40 000 paires de gants, de matériel de radioprotection et de masques, et puis de 90 tonnes d'acide borique apportées par EDF, qui va être dilué dans de l'eau pour permettre le refroidissement des centrales. Là, on est en train de recenser tout le matériel qui a été envoyé par Areva et EDF France. Tout le matériel de protection radiologique. Leur faire une instruction sur l'utilisation et les modalités pratiques, de façon à ce qu'ils puissent intervenir en toute sécurité. Il y a eu une réaction politique qui a été très forte, puisque le président de la République s'est rendu sur les lieux. Dès le 31 mars, il a été le premier chef d'État et de gouvernement à le faire. À tous, je suis venu donc dire le soutien de la France au nom de tous les Français. Et ceci a été suivi d'autres visites. Je voudrais aussi signaler tout particulièrement la réaction de la société civile, qui a été à la hauteur du drame et du traumatisme. Partout en France et dans la communauté française au Japon, il y a eu des milliers d'initiatives, des millions d'euros qui ont été affectés à des quantités de projets concrets qui se déroulent encore actuellement et que j'ai pu justement visiter et constater, dont j'ai pu constater les progrès dans la mise en œuvre. Sur place, dans tous les endroits du Togo. Je suis venu tout simplement pour partager un moment de bonheur et de dîner avec vous, tout simplement pour essayer de vous amener un rayon de soleil dans une période difficile. Mais après la période difficile, le soleil va revenir. Simplement, là, il s'agit des relogements provisoires donc, qui ont été organisés dans l'ensemble de la région. Ceux-ci donc, ont été mis en place en juillet dernier. Il y a 80 foyers qui y vivent. Depuis quelques mois, on essaye de reconstruire des centres, des community centers, des communicants, ce qu'on appelle au Japon. Et Rikuzen Takata, le problème qu'on avait, c'est que tout est cassé. Il n'y a aucun endroit pour que des enfants puissent se retrouver. Donc on a imaginé avec quelques enseignants d'avoir deux, ce que vous appelez des bibliobus. C'est même pas en tant qu'association qu'on réagit, c'est en tant qu'on habite au Japon, on est forcé de faire quelque chose. C'est vous qui l'avez conçu? Oui, d'accord. Pour qu'il y ait on nous a demandé des endroits pour que les gosses puissent travailler. Normalement, ils sont supposés faire leur devoir de classe. D'accord. Parce qu'ils ne peuvent pas vraiment le faire chez eux. Je soupçonne certains enfants de venir papoter. Oui, mais c'est très très bien. C'est très très bien. Si les gens savent que c'est pour longtemps, pas simplement un coup de cul pendant quelques semaines, mais pendant deux ans et demi, ça rassure tout le monde. Et puis c'est une inquiétude que peut-être vous avez eue dans ces derniers jours. Ça fait un an que beaucoup de monde fait beaucoup de choses, et qu'est-ce qui va se passer demain? Et puis je voudrais dire un mot tout particulier de la réponse dans le domaine de la culture.
Parce que quand une communauté est éprouvée, elle cherche ses racines et elle se retourne vers la culture. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu notamment à visiter des éléments du patrimoine du Tohoku, dont certains sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que c'est par là que la population a l'impression vraiment qu'elle va retrouver l'énergie et la source du rebond. Et nous avons eu un accompagnement culturel fidèle à cette tradition de l'action extérieure de la France en matière culturelle très forte ici. Il y a eu des concerts, il y a eu des danseurs étoiles de l'Opéra de Paris qui sont venus ici dans cette région pour donner des masterclass. Et puis il y a une magnifique exposition du Louvre qui se déroulera du mois d'avril jusqu'en septembre dans les trois préfectures donc du Tohoku, donc qui circulera et qui, je crois, aura un très grand retentissement et sera vraiment de nature à redonner encore plus de confiance à cette population. Ce système de contrôle des tremblements de terre, c'est très particulier. Un chantier gigantesque qui reste, qui concerne surtout la côte, mais qui aussi concerne l'intérieur. On l'a vu à Sendai, il y a aussi cette préoccupation de reconstruction existe. Voilà, est-ce que nous avons donc ce sentiment de proximité, de solidarité qui a été très fort, qui s'est transformé en initiative, en projet concret, et maintenant on doit le transformer en coopération de long terme. Et c'est une des raisons de ma visite, de celle des autorités françaises, donc qui se sont succédées. Très honoré d'être avec vous cet après-midi. Et surtout, ce que l'on ressent, c'est ce rebond dans le Tohoku et en particulier dans la préfecture d'Iwate, cette volonté d'aller de l'avant. Et je suis venu ici justement pour témoigner, rapporter en France cette image d'une province qui se reprend et qui va de l'avant. Vous avez ici donc à l'approche de ce port qui est le port de Sendai, un exemple de ces montagnes et de ces tas de débris que l'on trouve un peu partout dans la région, qui attendent d'être traités. Et c'est une des préoccupations principales des habitants parce que ils sont toujours face à ces débris. Et donc l'impression que les choses avancent peut-être de ce point de vue trop lentement. Et tant que ces débris seront là, ça montrera que tout n'est pas réglé et que il leur faut encore travailler. Et vous voyez ce bateau, c'est un bateau de pêche tout à fait considérable. Là, nous sommes à 700 mètres de la côte, donc ça vous montre vraiment la puissance et la force du tsunami, là ici qui a été maximale. Et là, vous voyez que la plupart des constructions qui étaient ici, c'était des entrepôts, ont été dévastés et emportés. Le bateau est trop gros pour pouvoir être démantelé, il y a d'autres priorités, et pour l'instant, donc, il reste ici comme un témoignage de la force du cataclysme. Un terrible séisme a frappé le Japon. Nous avons appris quelque chose de très important qui est le courage. Le courage que nous a montré le peuple japonais. Je termine un séjour de 3 jours dans le Tohoku et tous m'ont parlé de vos actions. J'ai eu ici les plus beaux témoignages de reconnaissance de votre action. C'est Gambaru Sendai, Courage Sendai.